Je vous laisse arriver, vous avez le temps de venir quand vous voulez, de toute façon. C'est vraiment du n'importe quoi. Enfin, la situation, la crise 2020, salut Christine. Tout ça, quoi. Ah, une couleur différente. Pourquoi j'ai une couleur bizarre à chaque fois, moi? Je vous laisse arriver, on soit le loup qui a des choses à nous dire. Et puis, voilà, on se laisse porter, quoi. Moi, je dirais peut-être pas grand-chose. Je me repose. L'année n'est pas terminée, hein. On a encore... On est quoi? On est le 14 octobre. 14 octobre! Ça va, Norman? Je lui ai dit que je commençais, je lui ai dit que je mettais le cri du loup, il arrive. Il va vous raconter ses misères encore. Il a eu... Ouais, mais je lui dis pas tout. Moi, je raconte pas la vie des gens. T'as porté plainte? Une responsable de magasin qui t'a refusé ton certificat médical? Ah, tu penses que les policiers vont traiter ta plainte? Ouais. Bah, tu te laisses pas faire, hein. Tu gères ton dossier. Salut, Julien. C'est un fait? Ouais. Pourquoi tant de haine? Dans Norman, 2N. Nom d'utilisateur. Toi, t'en as eu marre. De quoi? Macron, il va parler. Mais ça, tout le monde est au courant. Il y a 67 millions de personnes qui le savent, hein, Julien. Julien, tu vas quand même pas nous répéter ce qu'on sait tous. Oui, à 19h55. Et comme on est tous des enfants, on va tenter de savoir ce qu'il va dire, parce qu'on est tous tributaires. Comme des enfants. Je pense que pour certains d'entre vous, vous n'allez pas l'écouter, parce que... De toute façon, tout le monde sera au courant parce que, logiquement, s'il y a un couvre-feu à Paris, c'est une majorité de bars qui vont couler, quoi. De restaurants qui vont couler. Ils n'ont pas le droit de refuser ? Christine ? Ouais, petit kiwi, Isabelle. Moi, je vais vous dire, dans ce monde absolument sans dessus-dessous, les gens font n'importe quoi. Et quand on me parle de ce que certains n'ont pas le droit de refuser, ça me fait sourire parce que il y en a beaucoup qui font n'importe quoi. Un couvre-feu à 21h. 20h. Qui dit mieux, qui dit plus? 19h, 20h, 21h. Peu importe, de toute façon, le soir, il n'y a plus personne. Le chiffre 14. Attends, je vais pas tout noter maintenant avant qu'il arrive, le chiffre 14. Oh là 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 là. On laisse les personnes arriver. Si vous recevez une notif, vous me dites, hein, sinon il y en a beaucoup qui vont peut-être arriver un petit peu plus après. T'as l'info d'un agent de sécurité? D'un agent de sécurité d'où? C'est que ce ne sont que des rumeurs qui tombent. Mais peu importe, laissez-le. Je vous le dis sans arrêt. Quelque part, laissez-les faire leur boulot. Évidemment, les restaurateurs vont être impactés. Il y en a beaucoup qui vont couler. Les théâtres, les cinémas. D'accord. Mais sinon, les politiques ont été mis au pouvoir pour quelque chose, ils font leur boulot, et puis voilà, et puis patati patata. C'est comme ceux parfois qui me disent « je vais te dénoncer ». Bah vas-y, mais tu me le dis pas, mais fais ton boulot. Si tu vis à côté de tes pompes, si t'es là pour me harceler, me diffamer, j'ai répondu comme ça « tu le fais, mais j'ai pas envie de le savoir ». Chacun est là pour quelque chose, chacun fait ce qu'il doit faire, et puis voilà. Et puis c'est pas pour autant que t'as adoré le sujet, hein. Qu'on doit tous être impactés, voilà. Ils ont qu'à mettre un couvre-feu, de toute façon, à 21h. Je sais pas si vous traînez, mais... Moi, j'ai pas le temps. Salut Myriam. Je sais pas ce que vous faites à 21h ou à 20h le soir à Paris, si vous êtes à Paris. Je sais pas si ça va impacter tout le monde, mais... À 20h, beaucoup de gens rentrent du travail. Je sais pas. Je sais pas. Il y a plus de travail. C'est fini, il y a plus de boulot. Il est pas là, le loup. Ah, il se fait désirer, ouais. C'est une star maintenant. Donc quelque part, il arrive. Il est sur le chemin, là. Il est pas très loin. Pas très très loin. Donc il va arriver dans quelques minutes. Il arrive, ouais. Thérapie. Bah oui, je vous ai positionné ça dans... Alors hier, il y en a qui n'ont pas été très contents que je mette les commentaires pour les membres, mais c'est comme ça, hein. Si ça vous plaît pas, bah ça vous plaît pas, hein. Mais nous, les membres, ça nous plaît. 18 ans sur Paris ? Tu rentrais à 20h30. Ouais.
Ça va, pelote? Hello, Aurélie.